Sur ces trois vitraux de la chapelle de Saint-Aquien, l'histoire de plusieurs communes et le patrimoine local sont représentés. Des motifs pensés par ces élèves de l'école de Villy-sur-Yerre. Pour cela, ils ont ouvert des livres d'histoire. Cela leur a permis d'en savoir plus sur le passé des villages voisins, comme par exemple celui de Sept-Meules. Il y avait un colombier, et que ça s'appelle le Sept-Meules parce qu'il y avait sept moulins. C'est bien, ça nous dit comment c'était avant. Juste à côté, d'autres élèves se renseignent sur l'évolution de la population. On voit que de 1793 à 1821, on a gagné quand même à peu près 50 habitants à peu près. Puis après là, si on regarde à 2015, on voit que ça en a perdu parce qu'on est à 182. Ça nous permet de travailler différentes disciplines qui sont enseignées à l'école primaire. Que ça aille du français avec la langue orale pour présenter leurs recherches. Que ce soit les mathématiques, puisqu'on a réalisé des maquettes, donc il a fallu faire à l'échelle. Que ce soit en histoire, puisque c'est l'histoire du village. Une fois toutes ces informations récoltées, chaque élève a réalisé un croquis en imaginant à quoi pouvait ressembler le village. Ensuite, Franck, un maître verrier, les a récupérés pour les reproduire en vitrail. Parfois, dans des dessins, il y a des petits détails, des choses que je garde. J'essaye de prendre des éléments un peu partout. Et puis surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment d'être fidèle à l'esprit du dessin d'enfant. Le quatrième vitrail devrait être posé sur la chapelle de Saint-Aquien à la fin du mois de juin. Au total, ils seront 10 à orner l'édifice, tous inspirés par les dessins des écoliers de Villy-sur-Yerre.